Il a glissé tout seul. Sarkissian, il y a Diakaté qui est monté très haut. Ballon renvoyé par Vincent Ognon. C'était reprise et but. Le but, l'ouverture du score et la fin d'invincibilité. Le but de l'Écluse qui est titulaire pour la première fois de la saison. Après ça, va maintenant les faire rentrer de plein pied dans ce match. Oui, c'était un pari, un défi, mais il y a autre chose. Il faut surtout essayer de gagner les matchs. Et maintenant, étant mené, eh bien, il y a deux buts à marquer pour les trois points de la victoire. Et ça va peut-être modifier un petit peu l'état d'esprit de cette équipe stéphanoise. 1530. Annoncy, hein. Biancalani, le centre de Biancalani, retour derrière des Céphalois. Vincent Ognon, encore cette frappe. Oh là là. Et ce ballon qui rentre. 2-0 pour Nancy après ce travail de Sarkissian. C'est lui qui double la mise face à Jérémy Jeannot. Et la stupeur, bien entendu, pour Jeannot parce que c'est trois ballons contrés une nouvelle fois. Et ce ballon qui vient filer au fond de la cage. C'est un coup dur, hein. Un coup très dur, parce qu'au moment où certainement Saint-Étienne pensait pouvoir revenir, il y a eu ce... Là encore, un ballon contré qui revient juste dans les pieds de Sarkissian. Regardez, il était contré une fois, deux fois. Et il est là, et Jeannot est quand même là du bout du gant, hein, pour tenter de la retourner.